la bienvenida a Isabel Grenier. Isabel Grenier es profesora en la Universidad de Paris Diderot y también investigadora en un laboratorio del CEOA. El CEOA es el Centro de Energía Atómica y también de las Energías Alternativas. Es también un placer recibir a Javier Santayola. Muy conocido en España. Necesito de presentar y darle las gracias a los patrocinadores por la temporada del Instituto Francés y también dar las gracias a muchas gracias de estar aquí esta noche con nosotros. Donc, je suis passé au français, c'est un petit peu. Donc, merci d'être là avec nous ce soir. Donc, vous êtes professeur à Paris Diderot, chercheuse à laboratoire du CEOA, je crois, à Jussieu-Bled, à Saclay. Et donc, vous allez nous parler ce soir du violent, d'après ce que j'ai compris. Donc, tout va s'entremêler, explosion d'étoiles, effondrement de trous noirs et déplacement espace-temps. Donc, tout va y passer, si je puis dire. Et donc, vous allez nous raconter ce voyage dans l'imaginaire et dans le merveilleux. Et donc, je vous cède la parole. Donc, on procédera de la façon suivante. Donc, vous présenterez peut-être pendant une quarantaine de minutes, enfin, comme vous voulez. Puisque je sais que vous avez une voix qui est défaillante un petit peu ce soir. Après, on passera peut-être à un dialogue avec Javier, de façon à ce que, éventuellement, des questions qui n'ont pas été posées, qui ont été pas complètement couvertes, puissent être couvertes dans votre dialogue. Merci à tous les deux. Si c'est possible d'enlever les lumières sur l'écran pour qu'on voit mieux les images. Bonsoir à tous. Désolée, mon espagnol est terriblement mauvais. Donc je vais rester en français, alors là c'est carrément dur, je n'ai rien à dire. Donc c'est pour qu'on n'ait pas de lumière sur l'écran. L'idée ce soir, je vais bouger parce que je ne peux pas rester statique pour parler d'un univers qui bouillonne partout, ça n'est pas possible. Donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu les résultats des recherches les plus récentes qu'on a, et même avec Javier, on discutait tout à l'heure d'un papier qui est sorti hier. Donc des choses nouvelles qui sont un concept d'univers qu'on commence à entrevoir depuis quelques temps, depuis quelques années, pas beaucoup, 2-3 ans, on commence à secouer les idées dans nos têtes un peu différemment, et de vous présenter justement le fait pourquoi on a besoin de mettre beaucoup d'effervescence, beaucoup de pagaille, beaucoup de désordre dans cet univers pour l'empêcher d'aller trop vite et d'aller trop vite sculpter des étoiles et des galaxies. Alors on va regarder un petit peu comment ça marche ça. Le problème est un double paradoxe. On vient depuis le Big Bang où l'espace, le temps et la matière sont sortis et il faut qu'on ait 13 milliards 800 millions d'années jusqu'à aujourd'hui pour avoir fait des galaxies, c'est-à-dire des ensembles d'étoiles, pour faire des étoiles et pour faire des planètes autour des étoiles. Alors, c'est à la fois énormément de temps pour faire tout ça. Je vous rappelle que la Terre a 4,6 milliards d'années. Donc, c'est beaucoup plus de temps que juste la construction de la Terre et tout ce qu'on a vécu depuis. Mais c'est en même temps, plus on regarde loin dans le passé, plus on regarde loin en distance, et la lumière a mis du temps à nous parvenir, donc plus on regarde loin dans le passé, et plus on s'aperçoit que déjà très très tôt, il y avait déjà beaucoup d'étoiles, beaucoup de galaxies et beaucoup de choses faites.
Donc il faut qu'on ait un paradoxe qui est qu'à la fois, on a encore plein de choses à faire aujourd'hui, parce que des images que je vais vous montrer montrent qu'on fait encore des galaxies, on fait encore des étoiles et on fait encore des planètes aujourd'hui. Et en même temps, il faut pouvoir avoir des mécanismes qui les font très tôt dans l'histoire de l'univers. Et donc le seul moyen qu'on a, c'est d'avoir des processus très efficaces, mais de les empêcher de fonctionner. Et pour les empêcher de fonctionner, on va avoir le seul moyen qu'on trouve aujourd'hui, c'est justement de mettre du désordre, de mettre la pagaille. Alors pour être sûr qu'on parle un peu le même langage, et surtout que vous ayez les distances et les concepts en tête, je vous rappelle que le système solaire est un objet tout petit, on a 8 planètes, et la distance qui nous sépare du Soleil, c'est juste 8 minutes lumière, c'est-à-dire que la lumière met 8 minutes pour nous venir du Soleil, que la dimension du système solaire, c'est 10 heures lumière, et que par contre, les étoiles, donc ça c'est notre étoile, c'est une étoile très banale, très, tout à fait banale dans l'univers, petite et banale, et comme il y en a des multitudes, et que ces étoiles s'assemblent dans des grands rassemblements d'étoiles qu'on appelle les galaxies, vous en avez un exemple ici, et une galaxie grande comme la nôtre, ça a typiquement 100 000 années-lumière de taille, alors que là on parle d'heures-lumière, ici on parle de 100 000 années-lumière, et qu'il y a des myriades d'étoiles là-dedans, une galaxie comme celle-là contient environ 100 milliards d'étoiles avec toutes sortes de planètes autour. Et les distances qui séparent les galaxies sont typiquement de l'ordre du million d'années-lumière. Donc vous voyez qu'on passe de minutes à heures à 100 000 ans à millions. Donc et évidemment les 13 milliards 800 millions d'années qui nous séparent du rayonnement fossile de la lumière qui est sortie du Big Bang. Donc ce phénomène, il faut qu'on aille très vite pour faire beaucoup de choses, et puis il faut qu'on freine tant qu'on peut pour qu'il reste encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui, soit des galaxies, soit des amas de galaxies, soit des étoiles. Et on le voit sur cette image ici, vous avez une autre photographie de galaxies, avec un zoom dans une petite région qui n'est pas celle-là, j'ai choisi autre chose, mais qui vous montre que, en fait, tout l'univers visible, je ne parle pas de matière noire ou d'énergie noire, tout l'univers visible est essentiellement du gaz. Et ce gaz va se sculpter sous des forces contradictoires. Les forces qui vont chercher à le faire se rassembler, ça va être la gravitation, et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir rassembler du gaz pour faire des étoiles, et rassembler des étoiles pour faire des collectivités d'étoiles, des villages d'étoiles que sont les galaxies. Et de l'autre côté, vous avez des forces, au contraire, destructrices, qui vont être tous ces nouveaux mécanismes qu'on commence à envisager aujourd'hui, qui sont à base d'explosions d'étoiles, de vents d'étoiles, d'éruptions, ou bien carrément d'éjection à partir d'objets complètement exotiques comme les trous noirs. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ce sont ces deux principes antagonistes, d'une part de force de rassemblement et de sculpture vers galaxies-étoiles, et de l'autre, empêcher ce processus d'être beaucoup trop rapide. Je vous donne l'ordre de grandeur. Si on laisse simplement faire la gravitation, une galaxie aurait consommé tout son gaz en 600 millions d'années. Il faut qu'on prenne 13 milliards d'années. Donc vous voyez qu'on a des ordres de grandeur énormes à gagner pour empêcher les galaxies de former des étoiles trop vite. Il faut absolument empêcher ce gaz de se sculpter et de donner lieu à trop d'étoiles et trop de planètes tout de suite. Alors pour faire ça, on a des moyens qu'on pense. Hein, là je vous parle du niveau de nos connaissances actuelles. C'est même, j'ai pas mal de collègues astronomes qui ne sont pas encore au courant de ça. Le problème, c'est d'aller prendre de l'énergie quelque part et d'aller la redéposer ailleurs. C'est-à-dire de piquer, de voler de l'énergie à un objet et d'aller la redéposer à une autre échelle, plus loin. Donc si vous prenez l'exemple de ces étoiles, elles ont énormément d'énergie et vous allez utiliser cette énergie ici pour aller embêter ce qui était le cocon de gaz qui a donné naissance à ces jeunes étoiles. Vous voyez la sculpture que ça fait. Ça fait des structures très compliquées et on va justement voir comment on peut empêcher ce gaz d'aller former de nouvelles étoiles trop vite. Alors pourquoi ce sujet apparaît aujourd'hui? Il apparaît pour une simple raison, trois raisons en fait. La première raison, c'est qu'on a tout un panel d'informations qu'on n'avait pas il y a une dizaine, une vingtaine d'années. On a un âge d'or en ce moment qui fait qu'on a énormément d'instruments, soit qui viennent de voler dans l'espace, soit qui sont encore opérationnels aujourd'hui.
On en a au sol, bien sûr, mais vous avez toutes ces formes de lumière. Vous avez la lumière qui est la lumière visible avec les couleurs de l'arc-en-ciel, mais au-delà du violet de l'arc-en-ciel, vous avez les rayons ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma, et quand vous allez vers là, vous allez vers des formes de lumière de plus en plus énergétiques qui véhiculent 1 million de fois plus d'énergie ici que ici. Et puis, en deçà du rouge, vous avez l'infrarouge et puis les ondes plus barbares, submillimétriques, centimétriques, vers les ondes radio, qui, elles, au contraire, véhiculent beaucoup moins d'énergie. Et le fait que la lumière véhicule des quantités d'énergie très différentes fait que l'information qu'elle va nous donner est née dans des processus très différents au niveau des objets. Et en combinant ces informations, on va pouvoir avoir un regard beaucoup plus complet de ce qui se passe sur les objets en question. Et on utilise pour ça tout ce qui est en dehors du visible et de la radio ici. On utilise toute une batterie d'engins qui sont dans l'espace parce que l'atmosphère bloque ces formes de lumière. Heureusement pour nous, parce que tout ce qui est UV, rayons X et rayons gamma sont nocifs, sont dangereux pour nous, pour la vie. Donc on en est protégé par l'atmosphère. Ça veut dire que nous, il faut qu'on passe au-dessus de l'atmosphère pour les observer. Et inversement, on a aussi, en radio et en optique, les moyens de regarder depuis le sol ce qui se passe avec des instruments de plus en plus performants et de plus en plus importants. Ça, c'est un premier élément. C'est donc qu'on a ouvert depuis quelque temps un panel d'images de l'univers dans plein de lumières différentes qui nous fournissent des regards très différents sur ce qui se passe. Je vais vous montrer à chaque fois des montages avec des images en X, avec des images en infrarouge ou avec en radio. Vous verrez que ça ne véhicule pas du tout les mêmes informations. Le deuxième fait qui fait qu'aujourd'hui se passe quelque chose, c'est le fait qu'on a des télescopes qui sont beaucoup plus sensibles qu'avant et que du coup on est passé d'images statiques à des images animées. C'est-à-dire qu'on a fait rentrer la dimension temps, variabilité, changement dans nos observations. Et vous le voyez ici sur ces films que je vais déclencher dans un instant. Là, vous voyez une éruption solaire. Ça a l'air très anodin. Regardez la taille de la Terre que je vous ai mise là, à l'échelle. Donc déjà, vous avez le sentiment qu'une étoile, c'est déjà pas quelque chose de neutre. D'ailleurs, on en subit les conséquences. Les orages sur Terre, les orages magnétiques sur Terre viennent provoqués par les orages du Soleil. Mais c'est à l'échelle de quelques jours. Le film est accéléré. Je vous montre ici un exemple d'un objet que vous voyez ici, lumineux. Vous voyez, je vous le mets là en temps réel. Ce phénomène apparaît, disparaît, ça fait 2 secondes à peu près. Vous voyez là une explosion d'une étoile extrêmement lointaine et dans laquelle on regarde en lumière gamma. Et en lumière gamma, vous avez un flash extrêmement lumineux dans le ciel. C'est comme si brutalement Vénus s'allumait dans le ciel ce soir pendant 2 secondes et puis terminé, plus rien. Donc c'est quelque chose de très différent. Là, vous allez avoir ici, pardon pour ma voix, vous avez des phénomènes passés en accéléré, c'est l'ensemble de la voûte céleste, c'est-à-dire une map monde de la voûte céleste, où vous voyez chacun des points qui s'allument ici, ce sont quelques mois qui défilent avec le satellite Fermi qu'on a observé, en rayon gamma, chacun de ces lumières, de ces étoiles qui apparaissent en rayon gamma, ce sont des grandes éruptions auprès de très grands trous noirs qui font des milliards de fois la masse d'un soleil. Donc vous voyez que si vous regardiez le ciel avec ces formes de lumière, vous n'auriez pas du tout l'impression du ciel statique avec ses constellations qui ne fait que tourner, qui ne bouge pas. Vous auriez déjà depuis très longtemps l'impression que tout change dans l'univers en permanence. Simplement cette dimension ne l'a que depuis quelques temps. Et la troisième dimension, c'est ce que Van Gogh a capté très tôt. Il est passé d'image de constellation, de la Grande Ourse ici, à l'image d'un ciel beaucoup plus tourmenté, beaucoup plus agressif et beaucoup plus tumultueux. Et cette image ici est beaucoup plus réaliste que celle-ci. Mais la difficulté pour nous, c'est de passer de cette dimension statique à cette dimension dynamique, interaction, modification, changement. C'est que ça devient tout de suite très compliqué. Et donc il a fallu l'avènement des gros calculateurs pour qu'on puisse commencer à répondre à ces questions-là. Alors ces questions, on va les aborder de trois manières. On va regarder quels sont les médiateurs justement de désordre, d'agitation, d'effervescence. Il y en a trois. Il y a les particules qui vont être des particules de haute énergie, qui vont se promener dans les galaxies. Regardez comme celle-là, elle a été perturbée. Elle est complètement tordue partout. Et celle-ci était plus calme.
Et ici, vous avez la galaxie, et regardez ce qui sort de cette galaxie. Vous avez un montage en optique, en blanc, et en radio, en rose. Vous voyez qu'ici, il y a des grandes éjections qui partent de manière très focalisée, qui sortent en fait du centre de cette galaxie où il y a un gros trou noir qui est en train de provoquer ces éruptions et ces éjections. Et le fait même qu'on ait ces informations nous montre qu'en fait, parce qu'on a des explosions, des vents, des ondes de choc, des particules de haute énergie, des éjections massives de haute énergie, on va prendre de l'énergie quelque part, on va aller la déposer ailleurs, et du coup, vous allez affecter le gaz qui est là, qui était tranquille, et qui essayait de faire de nouvelles galaxies ou de nouvelles étoiles. Et vous allez brutalement le modifier, brutalement l'empêcher de fonctionner et de vivre sa vie de gaz. Il n'a qu'une envie, c'est de se coalescer pour faire des structures. Alors, le premier exemple, on va prendre les trois exemples. Le premier exemple que je vous montre, c'est au niveau des étoiles. Ici, vous avez un champ d'étoiles avec des couleurs différentes, des étoiles plus jaunes comme notre Soleil, des étoiles plus blanches qui sont beaucoup plus lumineuses que le Soleil, environ 100 000 fois plus lumineuses que le Soleil. Et là, on a la fable de la fontaine, de la cigale et de la fourmi. Quand vous êtes une petite étoile du style solaire, ben vous allez vivre de manière nucléaire, hein, puisque la source d'énergie d'une étoile au centre, ce sont des réactions de fusion nucléaire qu'on essaie, nous, d'imiter sur Terre, et pourvu qu'on y arrive pour régler nos problèmes d'énergie. Cette fusion nucléaire permettra au Soleil de vivre 10 milliards d'années à peu près. Sachant qu'on en a déjà 4,6 derrière nous, donc on est à peu près à mi-chemin. Une grande étoile, c'est la cigale. Elle est beaucoup plus dispendieuse, elle va faire des taux de réaction beaucoup plus forts au centre parce qu'elle a plus de masse, elle est plus chaude, elle est plus tout. Et donc du coup, elle va consommer son hydrogène et son matériel nucléaire beaucoup plus vite. Et elle va tomber en panne rapidement, en quelques millions d'années. Ici on parle de 10 milliards d'années, ici on parle de millions d'années. Et du coup, ces grandes étoiles sont extrêmement dangereuses à plusieurs titres. Ces grandes étoiles, non seulement sont 100 000 fois plus lumineuses que notre Soleil, et vous avez ici ce genre d'étoiles, et elles sont en plus très importantes parce qu'elles vivent très souvent en groupe. Nous, l'étoile la plus proche de nous est à 4 années-lumière à peu près. Dans un amas comme celui-là, vous avez 100 étoiles par année-lumière au carré, c'est-à-dire que vous avez 100 fois plus d'étoiles que dans notre petit coin de galaxie calme dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc vous êtes non seulement entouré d'étoiles extrêmement lumineuses qui vont vous irradier, mais en plus, vous en avez énormément partout. Donc ça va faire ce que vous voyez sur cette image, c'est-à-dire que tout le rayonnement de ces étoiles va complètement perturber ce qui se passe autour. Et vous voyez la sculpture que ça fait, parce que non seulement ces étoiles irradient complètement avec leur rayonnement ultraviolet et tout ce qui se passe, mais elles ont en plus des vents très puissants. Quand on dit très puissant, ce sont des vents qui sont capables de partir avec des quantités de matière importantes à des vitesses de 1000 km par seconde. Donc quand vous prenez un souffle pareil derrière, c'est sûr que le gaz qui est ici, il est surchauffé par le rayonnement et en plus, il est décoiffé par le vent de ces grandes étoiles qui poussent dans toutes les directions. Et regardez la sculpture que ça a faite. Et donc, cette sculpture peut avoir deux effets. Elle peut être destructrice ou elle peut être créatrice. Regardez les demoiselles coiffées qui sont là. Ce sont des grumeaux qui étaient plus denses et qui ont résisté à l'érosion du vent et du rayonnement des étoiles intenses. Ils ont fait comme un effet de parapluie. Derrière, ils sont mis à l'abri. Et à cause de ça, ça va comprimer le gaz et du coup, vous allez déclencher la formation d'étoiles. Donc ici, la perturbation des étoiles va au contraire provoquer de nouvelles générations de formations d'étoiles pour la suite derrière. Inversement, vous voyez ici, pareil, il y a un nid d'étoiles ici et toute la sculpture du gaz autour qui montre qu'il y a des points de résistance qui vont se déstabiliser pour former de nouvelles étoiles. Mais par contre, ici, on zoome et vous voyez cette image infrarouge qui vous montre des bébés étoiles. Ces bébés étoiles ont 2-3 millions d'années, pas plus, elles sont toutes jeunes. Et vous voyez ces queues planétaires étonnantes qui pointent toutes vers l'étoile trop lumineuse qui est là. C'est-à-dire qu'à la fois le vent et la lumière de cette étoile sont en train de déroder complètement le globule de gaz qui essaie ici de former une étoile. Alors, bon, ça fera une plus petite étoile si on perd la matière, c'est pas très grave.
Mais ce qui est grave, c'est que 2-3 millions d'années, c'est juste à l'époque où doivent commencer à se sculpter les alentours de ces bébés étoiles pour faire des planètes. Donc si vous êtes en train d'enlever tout le matériau qui va pouvoir donner naissance aux planètes, bah, vous allez quand même avoir un impact très important sur votre environnement. Donc ces étoiles ont un impact très, à la fois dévastateur, mais créateur. Donc qu'est-ce qui va gagner dans la balance? Vous en savez autant que nous, pour l'instant. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout neutre. Un autre exemple, donc là on était calme, ce sont des vents tranquilles, 1000 km par seconde dans l'univers, c'est rien. C'est puissant, mais c'est rien. Par contre, si vous prenez la fin de vie de ces étoiles, alors dans les fourmis comme notre Soleil, qui vivent chichement mais longtemps, elles vont tranquillement perdre un petit peu leur enveloppe doucement parce que le moteur nucléaire a des difficultés à l'intérieur. Finalement, elles vont perdre un peu de cette enveloppe. Et cette enveloppe est très importante parce que c'est dans cette enveloppe que l'étoile va nous relâcher tout ce qu'elle a fait comme fusion au centre, c'est-à-dire du carbone, de l'azote, de l'oxygène et des molécules compliquées, des poussières, des choses déjà très construites d'un point de vue chimique. C'est-à-dire que tout ce qui vous fait, vous, la vie est faite de carbone, d'azote et d'oxygène, est probablement passé par cette phase d'enveloppe de petites étoiles fourmis qui a vécu gentiment. Par contre, les grandes étoiles, elles, vont avoir une fin beaucoup plus spectaculaire, parce qu'elles vont tomber beaucoup plus vite en panne de combustible nucléaire, et elles vont exploser. Et en explosant, ça va être une supernova si l'étoile était massive, et ça va donner une hypernova si l'étoile était très massive, genre plus de 40 fois la masse du Soleil, par exemple. Et là, dans l'explosion même, vous allez avoir un dépôt d'énergie et de neutrons suffisamment intense pour pouvoir forger d'autres atomes que l'étoile elle-même n'a pas pu faire. L'étoile peut forger tous les atomes jusqu'au fer, mais elle ne peut pas aller au-delà. Or, on a tous des matériaux autour de nous qui sont bien plus lourds, beaucoup plus complets que le fer. Et donc, ce sont dans ces explosions que vous allez former, par exemple, tout ce qui va entre le carbone et l'argent, ou même dans les hypernovées, entre l'argent, l'or, l'uranium, le plomb, et tous ces éléments lourds qui sont autour de vous, ont été faits dans ces explosions. Alors, je vous montre ces deux exemples d'explosions. Une supernova à gauche, vous voyez cette étoile, qui, le jour où elle a explosé, était aussi lumineuse que toutes les étoiles du centre de cette galaxie. Ici, vous aviez peut-être un milliard d'étoiles qui brillaient, ici une seule, et elle était aussi lumineuse. Pourquoi ? Parce que pendant l'explosion, l'étoile va pouvoir émettre une quantité d'énergie qui correspond pratiquement à tout ce qu'elle a fait pendant toute sa vie avant, mais en quelques secondes. Donc vous relâchez une dose d'énergie extrêmement puissante et très brève. À droite, vous avez une autre étoile qui a explosé, qui est une hypernova. Là, je vous la montre à gauche en optique, à droite, je vous la montre en rayon gamma. Pareil, vous voyez le phénomène en temps réel. Donc, la durée de l'explosion, c'est de 2 secondes. Or, à droite, elle était encore 100 fois plus lumineuse que celle de gauche. C'est-à-dire que vous aviez quelque chose qui est que vous aviez la puissance d'un milliard d'étoiles dissipé pendant les 2 secondes où vous regardez cette image. C'est colossal. On a même peine à imaginer ce que c'est. Et pensez pas que c'est un phénomène rare. Pas du tout. À gauche, vous avez une... Oups, pas du tout. Vous avez les supernovées de gauche. Ben vous en avez une par seconde, dans l'univers. Et à droite, les hypernovées, vous en avez une par jour dans l'univers. Donc ce ne sont pas du tout des phénomènes rares, mais il y a tellement de choses dans l'univers qu'on tombe sur ces situations extrêmes assez souvent. Alors là, je repasse les fils, et le reste de l'explosion va être un petit peu différent. À gauche, quand vous êtes une supernova, vous avez tout le matériel de l'étoile qui est éjecté dans toutes les directions. Vous voyez une combinaison qu'on utilise très souvent aujourd'hui, c'est des combinaisons d'images avec des lumières différentes. Vous avez codé en rouge, on a mis l'infrarouge, en jaune, on a mis l'optique, en vert et en bleu, on a mis les rayons X. Ça veut dire que moi, en rouge, je suis en train de voir des poussières, en optique, je suis en train de voir du gaz avec des raies d'atomes qui émettent, et en rayons X, je suis en train de regarder un gaz qui est à quelques millions de degrés. Donc, vous voyez qu'on combine les informations pour savoir ce qui se passe
dans cette chose un peu rocambolesque d'un gaz qui va à une très modeste vitesse de quelques 10 000 km par seconde. On était à 1 000 tout à l'heure, maintenant on est passé à 10 000. Ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire que si je pars maintenant, je peux aller passer le week-end sur Jupiter. C'est quand même un peu rapide. Donc c'est pratique. On aimerait bien. Voyager a mis combien, 2 ans pour y arriver. Et encore, on l'avait envoyé avec une des plus grosses fusées de l'époque. Quand vous êtes une hypernova, à ce moment-là, vous avez un mécanisme de champ magnétique au centre qui fait que vous allez faire un effet dynamo, comme les dynamos de bicyclette, qui va faire un courant électrique intense, et ce courant électrique va propulser un jet extrêmement focalisé, pas du tout quelque chose qui arrose toutes les directions, mais quelque chose de très focalisé, collimaté, et là qui va partir à une vitesse qui est 20-30% de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que là, j'allais à Jupiter en 3 jours, là, je vais y aller en une demi-heure à peu près. Donc, vous voyez les vitesses qui sont en jeu. Et un autre phénomène, outre, vous imaginez l'onde de choc que vous voyez très bien ici, grâce aux rayons X, vous voyez cette ourlet bleue. Cette ourlet bleue, c'est exactement l'onde de choc, c'est-à-dire que c'est le bang que vous entendez quand un avion passe le mur du son. Ça fait une pression brutale que vos oreilles captent et, en faisant bang, bah c'est exactement la même chose. Ici, il n'y a pas beaucoup de pression. Là, il y a une pression colossale qui arrive et c'est un mur de pression qui arrive. Et donc, tout ce qui est à l'extérieur là, va être complètement chamboulé au fur et à mesure que ça avance à 10 000 km par seconde. Mais un autre aspect qui est autre que de mélanger tout ce gaz chaud enrichi par toutes les fabriques nucléaires des étoiles pour la remélanger au milieu externe et du coup faire des étoiles d'une génération après qui sera très enrichie dans carbone, oxygène, azote, tout ce que l'étoile précédente a pu faire, vous avez une autre activité qui est liée à ce bang ici. Ça, c'est une onde de choc, c'est le champignon de l'explosion. Et cette onde de choc, vous pouvez faire du surf dessus. En tout cas, nous, on ne le fait pas, mais il y a des particules qui s'amusent à le faire. Et comme tous les surfeurs le savent, vous rentrez, vous sortez de la vague, et comme ça, vous continuez à avancer, vous gagnez de l'énergie. Les surfeurs n'arrêtent pas de piquer de l'énergie à la vague pour continuer d'avancer, et ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils récupèrent de l'énergie à chaque fois qu'ils traversent la vague. Bah, c'est le même phénomène, à peu près, une analogie forte, avec ce qui se passe ici. Vous avez des protons, des atomes, du gaz tranquille ici, qui vont se faire rattraper par la vague, et ils vont rentrer, sortir, comme deux joueurs de badminton qui tapent et qui viendraient à la volée tous les deux. Pensez au match de tennis, quand les deux joueurs montent à la volée, la balle accélère tellement qu'au bout de 3-4 échanges, ils ne peuvent même plus la suivre et ça s'arrête tout de suite. Tant qu'il y en a un qui reste au fond du court et l'autre qui monte à la volée, le jeu peut continuer. Mais quand les deux joueurs montent frontalement, comme ils accélèrent la balle parce qu'ils tapent dessus en avançant sur elle, elle accélère tellement vite qu'au bout de quelques échanges, ils ne peuvent plus la suivre. C'est le même phénomène qui va marcher là. J'adore les petits bonshommes là et que je signale toujours parce qu'ils ont été dessinés par un certain Frank Capra, qui est le cinéaste bien connu, qui faisait beaucoup de vulgarisation scientifique et qui a fait un film là-dessus, avec ces petits personnages, pour jouer au ping-pong, au tennis ou au badminton, comme vous voulez, sur les ondes du choc de l'univers. Donc là, vous allez accélérer des particules à très haute énergie. Et ces particules vont finir par s'échapper plus loin, puis elles vont aller se promener. Ça s'appelle des rayons cosmiques. On les connaît bien depuis 100 ans sur Terre, et on a du mal à savoir d'où ils viennent, parce qu'ils zigzaguent partout. Donc on ne peut pas, c'est pas comme la lumière qui vient directement de la lampe sur moi. C'est un rayon cosmique là, il passera dans toutes les directions, ce qui fait que je ne sais plus d'où il vient très rapidement. Et donc on a un mal fou, on pense qu'ils ont été accélérés là, on a des preuves indirectes, pas complètement sûres encore, mais bon, on a de bonnes chances que. Et ces rayons cosmiques vont aller ensuite se promener dans la galaxie où ils sont nés. Mais ils vont aller très loin, ils vont aller au-dessus de la galaxie, en dessous, sur les côtés, partout. Et là où on s'aperçoit qu'ils ont un impact très important, c'est qu'en fait, sur leur route, ils vont changer les propriétés du gaz. Ils vont justement donner de la chaleur au gaz, ioniser, arracher les électrons du gaz, et ils vont intervenir sur la capacité du gaz à justement se refroidir, coalescer et former des étoiles. Et regardez ce qu'ils font ici dans cette galaxie. Cette galaxie vue par la tranche, où on vous montre en plus, en rayons X, en bleu, tout le gaz chaud qui s'en échappe à quelques millions de degrés, et en rouge, toutes les poussières
et les éléments lourds, c'est-à-dire des atomes, carbone, oxygène, etc., qui s'en échappent. Les astronomes sont très simples. Il y a la chimie, c'est l'hydrogène, l'hélium et le reste. Et le reste, on l'appelle les métaux. Et donc, vous voyez ici combien de choses s'échappent de cette galaxie. Parce que cette galaxie a explosé, ou qui vient d'exploser, et en explosant, elles ont fait des ondes de choc qui ont accéléré des particules. Et ces particules sont très très diffuses partout, et elles poussent le gaz littéralement hors de la galaxie. Aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a, probablement, tout ce qu'on a essayé d'autre ne marche pas, c'est-à-dire l'énergie mécanique des explosions ne suffit pas, l'énergie du vent des étoiles ne suffit pas, il faut faire appel à ces particules pour justement réjecter du gaz hors d'une galaxie pour pas qu'il le consomme à faire des étoiles trop vite. Donc on commence à se soupçonner que ce qui est l'activité d'accélération de particules sur un petit objet à l'intérieur d'une galaxie a quelque chose sur le destin total de l'évolution de cette galaxie. Et c'est ça qui est important. Et une technique très légèrement différente du capitaine Haddock pour repousser les choses loin de la gravité. Donc, vous avez ces galaxies à flambée d'étoiles. Celle-ci fait 1000 fois plus d'étoiles par an que la nôtre, donc elle est vraiment en pleine activité. Mais comme elle est en pleine activité, elle a fait plein de particules de haute énergie, et voilà la réponse du gaz à ces particules. Donc quelque chose qui est assez dramatique. Alors pour avancer, parce que l'heure tourne, vous avez le troisième volet. Donc on a vu le premier, c'est l'énergie mécanique des explosions et l'énergie secondaire des particules qui peuvent en trouver l'origine. Mais il y a un autre processus aussi qui lui va agir à d'autres échelles, beaucoup plus importantes, c'est-à-dire d'empêcher les galaxies d'absorber du gaz. Parce qu'une galaxie fonctionne comme, c'est un être dynamique, vivant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va absorber du gaz qui lui arrive du milieu entre les galaxies où sont les grandes réserves de gaz aujourd'hui. Il y en a 90% du gaz de l'univers n'est pas dans les galaxies. Donc, elle va faire arriver, grâce à sa gravitation, elle va faire arriver du gaz dedans, et puis nous, on va faire tout ce qu'on peut pour le faire ressortir, pour qu'il ne se transforme pas en étoile trop vite. Mais il va y avoir un autre processus, là c'est à petite échelle à l'intérieur de la galaxie, les explosions, les particules, tout ça c'est l'effervescence interne, un peu comme un jacuzzi qui fait plein de bulles partout. Il y a une autre échelle qui va être qu'au centre ici, vous pouvez avoir des trous noirs. Donc, ces trous noirs vont, comme vous l'avez vu tout à l'heure, faire des grands jets, et ces grands jets vont aller perturber le réservoir de gaz lui-même à l'extérieur. Donc, ce sont les éjections. Alors, puisqu'on va parler de trous noirs, je vais essayer quand même de vous rafraîchir la mémoire à leurs propos. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de Laplace et de Mitchell au XVIIIe siècle, c'était que si on envoyait un objet, si on envoie une balle, elle ne va pas très haut. Si on l'envoie plus vite, elle va plus haut. Si on l'envoie à la vitesse de la lumière, mais qu'elle retombe quand même, c'est qu'on a un trou noir, c'est-à-dire un objet où la gravité est tellement forte que même la lumière qui partirait à la verticale retomberait et ne pourrait pas s'échapper. La version moderne de cette histoire, c'est quand même de jouer sur l'élasticité de l'espace-temps. Et l'élasticité de l'espace-temps, c'est comme une toile de trampoline, où si vous mettez la Terre à un endroit, ben ça creuse, si vous mettez le Soleil à cet endroit-là, ça va creuser davantage. Si vous creusez tellement fort que même toute lumière qui passera aux alentours va être piégée, spiralée et tomber dedans sans pouvoir ressortir, vous avez un trou noir. Alors pour vous donner l'ordre de grandeur, il vous faut simplement prendre la Terre et compacter, compacter, compacter pour l'amener dans un morceau de sucre. Là, vous avez fait de la Terre un trou noir. Donc ce sont des niveaux de densité quand même assez importants. Et comme toute pratique connue de ski, ou de luge, ou de tout sport qui descend, quand vous vous laissez faire par la gravité, vous gagnez de l'énergie. Alors quand la matière tombe au-dessus d'un trou noir, là vous avez une gravure d'Edgar Poe qui adorait la science aussi, et qui faisait beaucoup de vulgarisation scientifique, donc ça c'est une gravure d'un de ses livres, vous aviez la chute de matériel ou de gaz sur le trou noir central. Ce gaz va chauffer, on va le voir en rayons X, parce qu'il va atteindre des millions de degrés simplement par le frottement en tombant. Et il entraîne avec lui un champ magnétique qui fait un effet de dynamo, et comme les dynamos de vélo. Et cette dynamo va créer un champ électrique qui va repousser du gaz, enfin de la matière, parce que là c'est plus du gaz, hein, à quelques millions de degrés, ce sont des électrons et des protons séparés.
Et donc ce gaz va partir sur un jet très focalisé, vous voyez, à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. C'est extrêmement efficace comme processus et comme coup d'accélérateur. Et une énergie qui semble être, entre toute l'énergie qui tombe et l'énergie qui est recrachée là sur le jet, c'est de l'ordre de 10% de ce qu'on sait aujourd'hui. Ça peut évoluer ces chiffres, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est 10%. Donc pour vous montrer ces trous noirs, il faut d'abord comprendre qu'il y a deux types de trous noirs dans la nature. Il y a les trous noirs d'origine stellaire qui ont, jusqu'à l'année dernière, on pensait que c'était de l'ordre de 10 masses solaires, 15 masses solaires, 15 fois la masse du Soleil, etc. Les banques de Pau, je vais vous en montrer tout à l'heure, qui font 30, 40 fois la masse du Soleil, mais on ne sait pas comment ils sont nés. Et à droite, vous avez des grands trous noirs. Les grands trous noirs ont des masses qui font 100 millions de fois la masse du Soleil, le milliard de fois la masse du Soleil. Donc pas du tout la même catégorie de trous noirs. Ceux-là vivent n'importe où dans la galaxie, puisqu'ils sont issus des supernovae et des hypernovae. C'est un sous-produit des explosions. Ceux-là, ils vont habiter toujours au centre de la galaxie, au centre dynamique de la galaxie. Toutes les étoiles tournent autour d'eux. Alors, je ne peux pas vous montrer des images, puisque la lumière est piégée dedans. Donc, je ne peux vous montrer que les effets indirects. À gauche, vous avez ce premier trou noir, Cygnus X1, qui est un premier dont on a mesuré la masse, dont on est sûr. En fait, ce que vous voyez ici, c'est son étoile compagnon. Il a une étoile qui lui alimente en gaz. Nous, on voit en rayons X l'activité de gaz qui tombe. On voit le jet, mais on ne voit pas le trou noir lui-même. Et ça, c'est l'étoile compagnon. À droite, je vous montre le centre de notre galaxie et des étoiles que vous voyez parfaitement tourner autour du centre de notre galaxie. C'est un exploit technique d'avoir fait ça. Ces étoiles sont à 25 000 années-lumière de nous, quand même. Et donc, je vous montre un vieux film, mais il y en a des encore meilleurs aujourd'hui. Mais celui-là est encore et plus didactique, parce que regardez cette étoile. Elle a fait le tour de rien, strictement rien. On cherche, on cherche, on cherche. On est à quelques fois la taille du trou noir, on est sûr qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'étoile, il n'y a rien. Et ce trou noir ici, avec ça, ça s'appelle les lois de Kepler, qui datent de Kepler. Et cette loi vous donne la masse de l'objet central qui vaut 4 millions de fois la masse du Soleil. Et là, c'est imparable. Il n'y a pas besoin de physique moderne pour faire ça. Ce sont les simples lois de Kepler qu'on apprend au lycée. Donc, ces trous noirs ont une activité d'éjection, à peu près 10% de l'énergie qu'ils reçoivent. Et vous avez exemple, donc stellaire à gauche et grand trou noir à droite. Vous voyez qu'un trou noir stellaire crache sur... ça, ce sont des images radio. Crache à 280 000 km par seconde sur des échelles de quelques années-lumière à peu près, alors qu'un grand trou noir au centre d'une galaxie va cracher sur des millions d'années-lumière de distance et à une vitesse qui est 0,99999, il m'en faut un cinquième, fois la vitesse de la lumière. Donc quelque chose d'extrêmement plus puissant. Et c'est gigantesque. Mais c'est très courant. Tous les points blancs que vous voyez tout à l'heure dans les premières diapositives avec cette map du ciel qui clignotait de partout, c'était ça. Vous étiez en train de voir une éruption d'un jet dans votre direction, donc on attrapait la lumière dans notre direction. Alors là, je vous montre les photos, vu de profil, c'est quand même plus facile. Donc ici, à gauche, vous avez Cygnus X1, celui de tout à l'heure, avec son étoile compagnon. Et regardez autour de l'étoile compagnon, si on passe en lumière radio, ici, il y a un grand jet, on voit la base. Et puis, regardez 25 années-lumière plus loin, vous voyez le choc d'étrave du bout du jet qui percute dans le gaz environnant. Donc les pauvres étoiles qui auraient voulu se former ici ne se formeront pas de la même manière quand il y a un jet pareil avec toute cette énergie-là qui lui déboule dessus. À droite, vous avez un grand trou noir avec aussi l'exemple, la galaxie, tout au centre, c'est tout petit, hein, comme un gros trou noir de plusieurs millions, centaines de millions de fois la masse du Soleil, ça a la taille d'un système solaire, hein, c'est tout petit. Donc vous avez la taille d'un système solaire ici qui est capable de propulser des choses sur 300 000 années-lumière sur celui-là, et c'est un tout petit celui-là, c'est pas le plus joli. Il était photogénique pour mes images, puisque vous aviez une combinaison du rayonnement X et du rayonnement radio, mais c'est vraiment pas quelqu'un de très exotique en termes de puissance qu'il est capable de délivrer. Et il ne faut pas penser que ce sont des objets rares du tout. Toutes les galaxies, aujourd'hui, on pense, en tout cas toutes les mesures qu'on a faites montrent, que toutes les galaxies ont un grand trou noir au centre. Alors, pas toujours très grand, la nôtre c'est juste quelques millions de masses solaires, il y en a d'autres où c'est milliards de masses solaires. On ne sait pas du tout leur origine, on ne sait pas comment ils sont nés dans l'histoire de l'univers. Ça, c'est un des grands points d'interrogation.
Mais en tout cas, vous voyez que beaucoup de galaxies ont des activités de jets, alors des jets en tourniquet, des jets tout droit. Et ça, c'est notre galaxie, le ciel. On a enlevé tout ce qu'on pouvait, qu'on connaissait. Et voilà ce qui nous reste en rayon gamma. Deux bulles qui sortent des régions centrales de la galaxie. Donc probablement que si on pouvait sortir de notre galaxie et la voir de l'extérieur, on verrait quelque chose comme ça. C'est-à-dire un jet qui sort sur les côtés. Donc c'est quelque chose de très commun. Et vous voyez ici que cette chose est commune. C'est pas tout le temps que le trou noir est actif. Le nôtre, au centre de notre galaxie, il est à la diète, on lui donne rien à manger, et il fait rien que nous embêter, parce que justement, on voudrait l'étudier, et qu'il n'est pas actif, donc on est bien embêté. Mais bon, il l'a été dans le passé, il y a 300 ans, il était actif, et il le sera dans le futur, j'espère pas dans trop longtemps. Par contre, ce que vous voyez, c'est que ces grands jets vont aller perturber le gaz qui est autour de la galaxie. Là, vous avez une image. En optique, vous voyez des galaxies qui sont liées ensemble par la gravitation, c'est-à-dire qu'elles habitent un village de galaxies cohérent. Et vous voyez en bleu le gaz très chaud de quelques millions de degrés qui est à l'intérieur de cet amas de galaxies. Il y a 10 fois plus de gaz entre les galaxies que dans les galaxies. Donc le gros des réserves est dans la galaxie. Et ce trou noir au centre de cette galaxie-là, regardez les jets radio qu'il fait et regardez les trous que ça a fait. C'est-à-dire que ce sont des bulldozers qui poussent le reste et qui va le pousser sur des millions d'années-lumière. C'est-à-dire que la galaxie qui habite par là, bah, si elle est dans un trou, elle ne pourra pas accréter de gaz parce que le bulldozer aura tout poussé. Et si au contraire elle est dans ce côté-là, eh bien au contraire, elle aura un environnement riche en gaz sur lequel elle pourra attraper pour continuer d'évoluer. Un autre exemple. Vous avez ici la galaxie, les grands jets du trou noir qui sort, tout le gaz intergalactique, regardez cet amas, tout ça sont des galaxies, ce ne sont pas des étoiles, tout ce qui brille ici. Donc vous avez ce gaz qui a été, regardez les trous partout, parce que le jet ne part pas toujours dans les mêmes directions. Donc regardez comme il a été perturbé ce pauvre gaz. À droite, vous voyez un autre exemple, on a pas mis la galaxie centrale et la... Et comment dire, les jets, mais on vous a mis ici uniquement les ondes sonores qui perturbent le gaz du réservoir bleu. Il est jaune à droite, il est bleu à gauche, c'est la même chose. Ce réservoir, regardez comme il a souffert de partout, parce qu'il a arrêté d'être secoué, perturbé, perforé par l'activité des trous noirs centraux d'autres galaxies. Donc on commence à vraiment réaliser que ce qui se passe à l'échelle d'un tout petit objet au centre d'une galaxie peut avoir des répercussions absolument partout, sur des millions d'années-lumière autour. Et c'est en quoi on a des moteurs d'agitation dont on a besoin. Une autre chose qui, pour l'instant, on n'a pas travaillé ce que ça veut dire, mais il y a certainement des impacts, mais comme c'est tout nouveau, c'est le fait qu'on a détecté les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire les distorsions de l'espace et du temps. Quand vous avez deux objets très exotiques, comme une étoile à neutrons ou un trou noir, qui tournent l'un autour de l'autre. Pensez à une toile de trampoline, une toile souple, élastique, faites tourner des boules dessus, et vous allez voir que ça envoie des ondes partout, un peu comme des cailloux qu'on jette dans l'eau et qui font des vagues. Mais là, c'est l'espace et le temps qui font des vagues. Et c'est pour la première fois depuis un an et demi, on peut capter ces vagues. Et c'est un exploit technologique extraordinaire. Donc cet exploit technologique, on le capte déjà d'une manière. On a trois manières de le voir. On a la première manière, c'est que la Terre elle-même subit ces déformations de l'espace et du temps. Donc quand la vague passe, elle se déforme un peu. Ce qui fait que si on fait des mesures de distance entre deux objets sur Terre, quand une vague passe, on va voir cette distance bouger. Et évidemment, on met plusieurs engins pour vérifier que ce n'est pas le train d'à côté, l'onde sismique du tremblement de terre de 300 km plus loin, etc. Mais on a pu capter ces distorsions, et ça c'est une première technique. Une deuxième technique qui ne va pas tarder à donner des résultats, elle est déjà en route, on est en train de tout calibrer, c'est le fait que la Terre elle-même est ballottée par les vagues, comme un bateau sur la mer. Et donc, elle va, si vous prenez sa position par rapport à des objets que vous référencez autour et que vous connaissez parfaitement, vous allez voir qu'elle est un petit peu à droite, un peu à gauche, un peu en haut, un peu en bas, et vous allez pouvoir mesurer ainsi que
la trame en dessous de l'espace ballottait. Et la troisième possibilité, ça sera de faire avec des satellites dans l'espace, ça sera pour 2028-2030, et de mesurer des distances entre les satellites, et on va voir que ces distances respirent entre les deux. Mais le fait qu'on se soit ballotté par les vagues, on vient d'en détecter, il y a un couple d'étoiles à neutrons qui a défrayé la chronique il y a un mois, parce que bon, on s'attendait à ce que ça existe, et c'était intéressant, mais c'est surtout que ça a été une chasse à l'objet absolument fabuleuse qui a utilisé la moitié de la communauté astronomique mondiale. Un énorme effort collectif mondial. Ça a commencé par notre satellite Fermi, je suis ravie d'avoir passé 5 ans de ma vie à battre avec la NASA pour qu'il le fasse, avec d'autres copains. Donc Fermi a détecté un signal de rayon gamma, comme tout à l'heure, une explosion, 2 secondes, et un signal très brillant, l'a localisé pas très bien, et pendant ce temps-là, les mesures de déformation des distances sur Terre, qui s'appellent Virgo et LIGO, ont détecté un passage. Et ce passage était en fait 1,7 secondes avant ce qu'on a détecté en rayon gamma. Et donc ça a lancé l'idée que, oulala, il s'est passé quelque chose, on a senti les vagues, on a vu l'émission de l'hypernova qui allait avec, donc c'est pas une hypernova, c'est une fusion, mais on avait quelque chose. Alors évidemment, tous les télescopes se sont mis en batterie pour essayer de trouver ce qui se passait en rayons X, en rayons ultraviolets, en rayons radio, en rayons X et tout. Et on a, on a réussi à capter non seulement dans quelle galaxie c'était, mais quel objet c'était. Vous voyez ici, c'est vous la voyez, la lumière qui décroît de ce phénomène. Juste pour vous signaler que ce jour-là, à cet endroit-là, c'était il y a 130 millions d'années en temps réel par rapport à nous, ce qui fait qu'il a fallu le temps que la lumière nous parvienne. On a fait 10 fois la masse du Soleil d'or et platine, pour ceux qui aiment la joaillerie. Il y avait des réserves ce jour-là qui ont été faites. Mais ça a été une chasse à la source absolument extraordinaire. Alors là, c'était la fusion de 2 petites étoiles à neutrons, très denses, très compactes, mais petites. Et avant, on a capté, vous voyez, on en a 5-6 maintenant, des vagues provoquées par la fusion, non pas de 2 étoiles, mais la fusion de 2 trous noirs, et des trous noirs avec des masses qu'on ne sait pas faire. Ou alors il faudrait des étoiles monstres derrière, et on ne connaît pas ces étoiles monstres qui ont pu former des trous noirs aussi massifs. Alors on attend impatiemment la fusion de 2 grands trous noirs, de millions de masses solaires, de centaines de millions. On sait qu'il va y en avoir, vous avez un exemple à droite. Ici, dans 100 millions d'années, si vous revenez, je vous montrerai le film, vous aurez ces 2 grands trous noirs tapis au centre de 2 galaxies qui sont en train de fusionner. Et ils vont fusionner dans 100 millions d'années. Donc, pour finir très brièvement sur le troisième mécanisme de pagaille dans l'univers, celui-là va aller vite parce que ce sont juste des jolies photos, ce sont bien évidemment les forces de marée qui sont très connues, qu'on pratique tous pour la mer, éventuellement pour la Terre, parce que la Terre respire en dessous de nos pieds en fonction du gré de la position de la Lune et du Soleil, mais on ne pense pas toujours que ça existe dans la nature au-delà de nos phénomènes de marée maritimes. En fait, il y en a beaucoup, et les galaxies, l'univers a beau être grand, les galaxies se rencontrent. Et de temps en temps, elles se frôlent, mais de temps en temps, elles se percutent aussi. Et dans les deux cas, elles vont être déformées par les forces de marée, qui sont des forces d'attraction, de déchirement entre les galaxies. Et vous voyez ici ces 2 galaxies qui se sont rapprochées suffisamment pour qu'une kyrielle d'étoiles soit attirée par l'autre et déplacée de leurs orbites normales. Voyez, regardez le déchirement que ça provoque de cette galaxie qui est passée trop près de celle-là. Donc vous avez aussi une source de désordre intense à grande échelle par ces formes de marée. Regardez celle-ci, il y a un bolide qui passait à travers et ça a arraché du gaz sous cette forme de cet anneau qui a fait plein de jeunes étoiles. Donc des choses quand même assez extraordinaires. Et évidemment, comme l'univers est riche et qu'il est, vous vous en rendez compte, très animé, il se passe tous les jours quelque chose dans l'univers, en permanence, c'est très vivant et très dynamique. Vous avez ici des carambolages encore plus magistraux, qui sont un amas de galaxies qui a percuté un autre amas de galaxies. Donc là, vous parlez de centaines de galaxies qui sont liées entre elles par la gravitation, elles ne vont pas n'importe comment, elles vont toutes au fond du même centre. Ici, vous en avez un autre groupe, et ben ce groupe est passé à travers le premier. Et ce que vous voyez en rose, c'est tout le gaz hyper chaud de cette rencontre,
parce que là, ça fait quand même beaucoup de monde qui se rencontre en même temps. Et vous voyez ici en vert qu'il y a plein de trous noirs qui se sont amusés à envoyer des jets dans tous les sens. Donc cette image résume un petit peu ce nouveau point de vue qu'on a de l'univers, qui est quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus désordonné, et où il y a vraiment deux forces contradictoires en permanence. Il y a des forces de sculpture, coalescence, effondrement gravitationnel, refroidissement, qui conduisent systématiquement à former des étoiles, ou à rassembler les étoiles en galaxies, et quand elles forment des étoiles, autour à laisser du gaz pour faire des planètes. Et inversement, vous avez besoin sans arrêt de remettre du désordre et d'injecter du désordre par ces mécanismes-là pour empêcher que l'univers évolue trop vite. Et du coup, ça vous donne une complexité énorme, une diversité énorme, parce que vous n'aurez jamais deux fois les mêmes interactions sous les mêmes géométries, avec les mêmes partenaires et dans les mêmes conditions. Donc ça vous donne une énorme complexité, mais ça vous donne une énorme diversité pour faire des photos aussi extraordinaires que celle-là. Vous avez un amas de galaxies ici, et des choses aussi extraordinaires qu'un système solaire avec une planète qui abrite la vie. Et puis, hier soir, on en était à 2950 planètes autres qu'on a détectées et confirmées, avec probablement des planètes, il y a plus de 2000 planètes qui ressemblent, qui auraient des conditions pas très 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 loin de celles de la Terre. Donc une complexité énorme au niveau des planètes. Mais rappelez-vous d'une chose, tout ce que je vous ai raconté, c'est uniquement pour la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire les 5% de la matière qu'on connaît, qu'on observe et qu'on comprend. Pas très bien, mais on va comprendre. Maintenant, il vous reste quand même 95% de l'énergie dont on n'a pas moindre idée dans l'univers, et celle-là, c'est la source ultime de l'énergie, donc 95% sous le tapis, mais on a déjà des problèmes avec les 5% qui restent. Merci. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Bueno, llega un momento en el que vamos a hacer una pequeña discusión. Vamos a hablar un poquito de física. Yo me refiero como español. Vamos a hablar un poquito de las cosas que hemos aprendido. Pero bueno, antes que nada, me parece increíble toda esta gente que ha venido, de todo ese interés por la ciencia. Así que yo creo que es un momento interesante para darle un aplauso a lo interesante que es la ciencia y lo bonito que es que nos juntemos para hablar de cosas como esta. ¿Verdad? Un aplauso grande. Dicho esto, voy a intentarlo, que nadie lo grabe y lo ponga en YouTube, pero voy a intentar hablar con ella en francés, ¿vale? Alors, on va essayer de le faire en français, sinon je vais parler en anglais. Alors, pour moi, c'était très intéressant ce que vous avez montré. Pour moi, c'est aussi un honneur très grand de partager cet espace avec vous. Et puis, il y a des choses, beaucoup de choses à parler de l'univers, mais on va essayer de concentrer tout ça. Vous avez parlé de ce qu'on connaît de l'univers, mais pour toi, à ton avis, qu'est-ce que c'est les choses qu'on ne sait pas les plus intéressantes pour découvrir dans le futur? Justement, c'est l'ensemble. On a aujourd'hui une chose importante et différente des générations précédentes. Toutes les générations précédentes étudiaient objet par objet. Il y avait des spécialistes du Soleil, des spécialistes de planètes, des spécialistes d'autres étoiles, des spécialistes de galaxies, etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit que pour comprendre ce qui se passe, on est obligé de faire vivre ces objets dans un environnement et qu'ils passent leur temps à interagir avec cet environnement. Et donc, c'est d'une richesse énorme. C'est difficile, parce que du coup, tout le monde discute avec tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est juste un coup de chance, on ne sait pas. Donc il y a une richesse énorme. Et on commence simplement à regarder. Il y a encore énormément à découvrir. Alors au-delà du problème, évidemment, qu'il y a 95% d'énergie qui nous manque, au-delà de ce problème qui concerne tout le monde, mais qui pourrait être probablement un problème de physique derrière. C'est une loi physique qui nous manque, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Est-ce que c'est la gravitation? On sait que la gravitation aujourd'hui n'est pas compatible avec la mécanique quantique.
Or, j'ai utilisé un laser pour faire de la mécanique quantique et j'ai utilisé, je vous ai montré, des exemples où la relativité générale est survérifiée aux ondes gravitationnelles avec les trous noirs. On vérifie tout avec des précisions énormes aujourd'hui. Mais les deux théories ne sont pas compatibles. Donc le jour où on résoudra ce problème, peut-être qu'on résoudra un peu mieux ce qui se passe avec l'énergie noire et la matière noire. Pour l'instant, ce sont des mots et des techniques dans les calculs, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est juste, on met quelque chose, la matière noire, on met de la gravitation en plus, c'est ce qu'on fait, et l'énergie noire, on met de l'expansion en plus. Mais c'est tout ce qu'on fait. On a mis un mot qui marche bien, dans le public ça marche très bien, mais c'est tout. C'est dans les calculs, on a mis un peu plus de gravitation, un peu plus d'expansion, c'est tout. Mais ça s'appuie sur le fait qu'il y a derrière un problème de physique, et peut-être que l'univers nous aidera à comprendre quel est ce problème de physique. Mais ce qui est le plus intéressant, je pense, d'un point de vue purement astrophysique, sans parler de physique, c'est justement cette dimension aujourd'hui où les objets vivent en interaction entre eux et que ça nous permet à nous de tester des tas de choses de physique qu'on n'avait jamais vues. Ce sont des laboratoires extraordinaires. Vous savez parler de cette nouvelle étude des étoiles de neutrons qui ont fusionné. Et cette collaboration entre les vagues gravitationnelles et puis les rayons gamma, on peut parler d'une new era of astrophysics? Alors, on a deux frontières aujourd'hui. On a trois frontières. On a la frontière qu'on vient de trouver les ondes gravitationnelles, donc maintenant il faut en trouver d'autres, soit avec la technique des vagues et des pulsars, parce que ça voit les grands trous noirs, alors qu'aujourd'hui on voit les petits trous noirs avec les méthodes au sol. Ça, c'est une première frontière. La deuxième frontière, c'est qu'on a la même chose. On a des détecteurs de neutrinos qui sont des particules qui vont très vite et qui sont comme la lumière, c'est-à-dire qu'ils interagissent pas beaucoup, donc ils peuvent aller très très loin dans l'univers, pas trop quand même. Mais ils nous apportent des informations sur de grandes distances en allant tout droit, ce qui est très pratique. Mais on a détecté les premiers il y a 4-5 ans maintenant, il y en a plus. On a peut-être, c'est pas sûr du tout encore, un neutrino qui est arrivé en même temps qu'une éruption en rayon gamma d'un de ces grands trous noirs, donc tout le monde était très content. Donc ça, c'est une deuxième frontière. Pourquoi c'est une frontière? Parce qu'en fait, ça nous permet... La lumière n'est qu'un moyen d'information. On a beaucoup d'informations qui viennent du fait qu'on a mis des rayons X, des rayons UV, de la radio, enfin tout l'arc-en-ciel au-delà de l'arc-en-ciel, mais ça n'est qu'un véhicule d'information. Les neutrinos, c'est un deuxième véhicule d'information qui a une information qui nous indique qu'il y a de la matière de type proton, c'est-à-dire de la matière pesante, pas de la lumière derrière. Donc si on détecte les neutrinos, on peut être sûr qu'il y avait des protons de haute énergie. Et ça, dans les jets, par exemple, les grands jets de trous noirs, on ne sait pas si ce sont purement des courants électriques ou s'il y a de la matière qui part avec. Tout ce qu'on voit, nous, ce sont des électrons, c'est tout. Donc est-ce que les électrons sont accompagnés avec des protons? C'est probable, parce que sinon l'électricité ne serait pas correcte, ça ne serait pas neutre, mais on ne sait pas. Si on voit un neutrino, il y avait de bonnes chances qu'il y ait eu les protons avec. Donc c'est ça qui est une deuxième frontière. Ajouter les neutrinos, ajouter les ondes gravitationnelles, ajouter la lumière. Après, il va falloir trouver autre chose. Parce que le problème, c'est que cette info qui arrive est toujours dénaturée. On perd de l'information sur la route. Et donc, on n'a pas un cas, un point. Ce n'est pas parce qu'on attrape tel rayon lumineux ou tel neutrino ou telle onde gravitationnelle qu'on comprend exactement ce qui se passe là-bas. Il faut vraiment modéliser, comprendre comment la lumière est sortie, comment les choses sont sorties. Il y a plein, la lumière subit plein d'avatars, enfin de choses difficiles. Elle est absorbée, elle est changée de direction, elle est changée de couleur, enfin il y a plein de choses qui lui arrivent. Les ondes gravitationnelles, pour l'instant non, mais un jour on va bien tomber sur le fait qu'il y aura des problèmes. Et les neutrinos, pareil. Donc, à chaque fois qu'on peut trouver un autre regard, regarder de droite, regarder de gauche, on avance. Parce que les scientifiques, on a toujours l'espoir d'apprendre des nouvelles choses de l'univers. Alors, dans les futurs, dans les prochaines
10 ou 20 années, il y aura des nouvelles expériences, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Avec les nouvelles expériences qu'on a, il y a une grande expérience qui va partir, enfin qui ne va pas partir, elle est au sol celle-là, qui est le grand radiotélescope qu'on fait en Afrique du Sud et en Australie, SKA, qui est une chose de fou, complètement de fou, puisque les antennes vont capter une dose d'information en permanence qui sera équivalent à tout le réseau Internet mondial actuel. Il va falloir qu'on analyse ça en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas garder les informations plus de 2-3 jours, parce que les plus grandes banques de données explosent. Donc il faut qu'on analyse tout de suite et qu'on jette. On analyse, on jette, on analyse, on jette. On est sur des scientifiques. On a surtout besoin d'informaticiens. Mais ça va nous permettre d'aller regarder des choses très tôt dans l'univers. Et donc là, on va peut-être arriver à regarder tout en haut ici, justement, ces phases un peu où les premières étoiles s'allument, les premières galaxies se forment, pour justement comprendre combien c'est aller vite. Parce que le fait qu'il fasse ralentir, ça c'est sûr, mais au départ, est-ce qu'il fallait ralentir beaucoup, beaucoup, parce que c'est aller trop vite, ou bien est-ce que c'était un rythme raisonnable au départ? Ça c'est une chose importante. Et la deuxième leçon, qu'on attend tous, c'est que je ne connais pas, en 30 ans de carrière, je ne connais pas un seul astronome qui n'ait pas dit « mais c'est bien sûr ». Et le « mais c'est bien sûr », c'est parce qu'on manque beaucoup d'imagination. L'univers est beaucoup plus imaginatif que nous, et on est toujours pris à contre-pied. On a toujours, on s'aperçoit que « ah ben ça existe », ah ben j'aurais pu y penser plus tôt, mais j'y ai pas pensé. La fusion des trois, tout le monde attendait 2 fois 10 masses solaires. Boum, on se prend 30, 40 masses solaires, ça ne peut pas exister. Et pourtant, l'univers l'a fait. Donc, il faut qu'on se remette en question sans arrêt, et on n'a pas assez d'imagination. Je crois que c'est la première leçon de l'univers, c'est qu'on n'est absolument pas assez imaginatif. On a l'impression qu'on manipule des théories de fous. Il y a des multivers, il y a des choses, on n'est pas assez imaginatif. À chaque fois, l'univers nous coince en trouvant quelque chose auquel on n'a jamais pensé. J'aime bien ce message, parce que c'est à eux qui peuvent faire une chose différente et changer la compréhension de l'univers, parce qu'il y a plein de choses à faire, et on a besoin de quelqu'un qui peut changer tout ça. Et puis, j'ai une question, parce que pour moi, c'est very frustrating, le fait qu'on peut étudier l'univers, ce qu'on veut, mais il y a un espoir de savoir des choses qui sont beyond what we can see. Je parle des choses dehors du volume de Hubble, or before the starting of the universe. Oui, do you have any hope of learning about that? Est-ce qu'on a des chances de savoir ce qui s'est passé avant le Big Bang? Oui, si on change la physique. Si on change les 95% qu'on comprend, probablement le Big Bang va changer. Le Big Bang, c'est la solution actuelle avec les outils de physique actuels. Ça ne veut pas dire que ça va survivre. C'est la meilleure solution, c'est compatible avec tout ce qu'on a. Et quelles sont les preuves du Big Bang? C'est d'une part cette petite chose que j'ai mise discrètement dans un coin ici, là. Ça c'est l'image la plus vieille de l'univers, qui est celle du rayonnement fossile. C'est l'époque où la matière et la lumière étaient très mélangées, et quand elles ont fini par se séparer, c'est-à-dire que la lumière a pu voyager sur des distances importantes sans se faire piéger par la matière tout le temps, cette image montre des fluctuations, et on est tous issus de ces fluctuations. En fait, tout notre problème, c'est de passer de quelque chose qui est extrêmement homogène à cette époque-là, puisqu'entre les points les plus denses et les points les moins denses, il n'y a même pas un écart de quelques pourcents mille. Donc c'était très très homogène. Et on ne peut pas dire que l'univers soit très très homogène aujourd'hui. Il est très différent partout. Donc il faut qu'on passe de cette homogénéité à cette hétérogénéité. Et on a 13 milliards d'années pour le faire, ce qui n'est pas beaucoup. Mais cette information,
elle est codée, elle code aussi des choses qui se sont passées dans les premières minutes, voire les premières secondes. Donc il y a à extraire de cette lumière fossile encore des informations sur des périodes plus reculées qu'elle. La lumière fossile, elle est ancienne, elle a 380 000 ans après le Big Bang. Donc ce qui s'est passé entre zéro, on s'en fiche parce que ça n'existe pas, mais les premiers instants, les premières secondes où on a formé les quarks, les particules, etc., jusqu'à 380 000 ans où la lumière a pu sortir pour venir nous raconter une histoire, il y a beaucoup à apprendre. Et là, c'est probablement ce qui va se passer dans les 20 ans à suivre, ça va être de décoder une grande partie de cette information-là. Et l'autre partie, ben, ça sera d'essayer de comprendre ce qu'on appelle la dirty physics, qui est, c'est quoi l'évolution de la matière quand on la laisse jouer avec elle-même. Des choses, ça vous paraît des choses connues, mais pourtant, vous enseignez à tous les jeunes en classe que si vous comprimez un gaz, une pompe à vélo, on appuie sur une pompe à vélo, on comprime le gaz, on se brûle avec la pompe à vélo, ça chauffe. Ici, quand vous comprimez le gaz, il perd de l'énergie, il devient froid. Ce gaz ici, il est à 10 Kelvin, moins 260 degrés. C'est de la physique classique, mais dans des conditions anormales, différentes. Muy bien, bueno, yo estaría aquí 3 o 4 días haciéndole preguntas, pero yo creo que es très intéressant de faire possibilité après la possibilité de personnes qui sont ici pour poser des questions à Isabelle. Tant que vous voulez. Alors, s'il y a des questions, sinon je continue avec questions. Non, je ne connais pas cette publication. Je sais qu'au contraire, on a d'autres relevés qui montrent qu'on est tous en train d'aller. Vous parlez à l'échelle des galaxies ou de l'échelle des étoiles ? À l'échelle des galaxies. À l'échelle des galaxies, on va tous vers, j'ai oublié le nom hawaïen, l'Anika ou un mot comme ça. Au contraire, on a des mouvements cohérents qui nous embarquent. Nous, on est un petit peu à la périphérie de ce grand mouvement, mais qui nous embarque vers un pôle gravitationnel d'attraction. Alors sur ce projet, donc on voit les galaxies qui partent de ce Great Repeller et qui arrivent au point dont vous venez de parler. Ouais, mais en fait, la distribution des galaxies dans l'univers, c'est quelque chose, ça ressemble à un fractal un peu. Vous avez des grands courants qui passent dans tous les sens, qui sont le résultat de la coalescence du gaz dans le substrat de matière noire. On les appelle les rivières, nous, en même temps, parce que ça fait vraiment des confluences comme des rivières, et vous formez les amas de galaxies quand des rivières se rencontrent. Mais c'est très possible que nous, on soit sur le bord d'une rivière et qu'on voit un mouvement de galaxies globales à côté, alors que nous, on est plutôt sur une partie un peu plus vide, entre guillemets, et qui, quand c'est vide, c'est en expansion. Donc ça ne me paraît pas choquant qu'on ait des mouvements quelque part d'exclusion, c'est-à-dire d'expansion, et d'autres au contraire de convergence. Et je pense qu'on doit être dans un cas comme ça. Je ne connais pas cette publication en particulier parce que je n'ai pas regardé. Il y a quelqu'un du CE à Saclay qui a participé à ça. Oh oui, ça doit être Daniel Pomarède. Ah oui, d'accord. Non, je n'ai pas suivi ça. Le problème, c'est qu'on a à peu près 40 publications par jour qui sont en ce moment. Aparte de generar información que permita avanzar en el ámbito científico. Aparte de generar una cantidad de información grande de la que el ser humano se puede aprovechar para avanzar en el ámbito científico, ¿puede realmente el ser humano sacar provecho de estos fenómenos que has desarrollado hoy aquí? C'est une grande question.
qu'on s'est tous posées. A-t-on un cerveau suffisamment intelligent pour appréhender ce qui se passe? Pour l'instant, oui. Ce qui ne veut pas dire que ça va durer, parce que ça devient de plus en plus difficile. Donc, pour l'instant, oui, parce qu'on a des outils conceptuels, c'est-à-dire qu'on a deux choses, on a une démarche qui a été mise au point au fil des siècles, et notamment à l'époque de la Renaissance, 15e, 16e, 17e siècle, qui nous permet d'avancer sur des bases solides, c'est-à-dire qu'on fait des hypothèses, on fait une expérimentation pour vérifier les hypothèses, et ou bien ça marche et on garde, ou bien ça ne marche pas et on jette. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on garde aujourd'hui sera gardé demain, parce qu'aujourd'hui ça peut être vrai, mais demain, il suffit qu'il y ait un fait, une observation qui dise non, et toute la théorie est jetée. Le Big Bang marche bien aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un seul fait quelque part qu'on mesure et qu'il ne soit pas d'accord, et c'est tout qui part à la poubelle. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, donc on a une démarche. On a des concepts mathématiques et des ordinateurs qui nous permettent aujourd'hui de décupler nos capacités de calcul, c'est-à-dire de résoudre des choses. C'est très vrai dans ce que je vous ai montré. On ne pouvait pas faire ça il y a 10 ans, parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul pour résoudre les équations. On savait écrire les équations. On sait encore très souvent écrire les équations, mais on ne sait pas les résoudre. Alors, même si c'est la physique classique, on ne sait pas résoudre. Et donc, du coup, c'est là où on fait d'énormes progrès, c'est que parce qu'on est obligé d'essayer de comprendre certains faits, on est obligé de pousser les équations, trouver des solutions numériques, analytiques, mais on est obligé de trouver de nouveaux outils pour avancer. Et puis, la troisième frontière, elle est dans l'analyse des observations. On a énormément d'aide aujourd'hui des mathématiciens pour des outils sur le machine learning ou des choses comme ça, mais aussi sur les onglets, des outils d'analyse pour traiter les informations ou pour traiter tout Internet mondial en moins d'une journée. Ces trois frontières font que pour l'instant, on suit. Et on a des concepts clairs, nets. On sait ce que c'est que les quatre forces, on s'appuie sur la physique connue pour l'instant. Donc ça n'empêche pas d'autres de faire des supputations, mais on s'appuie sur ces choses-là et on a assez de richesses aujourd'hui pour pouvoir avancer. Est-ce que dans un siècle ça sera toujours vrai? Si on continue à buter sur énergie noire et matière noire, on aura toujours des choses à comprendre sur tout le reste. Parce qu'on est très très loin de comprendre toute l'évolution de tous ces objets, on est très loin. On a encore des pans entiers de choses qu'on ne comprend pas. Mais peut-être qu'on va arriver à un moment où à la fois les observations ne sont plus assez riches ou assez neuves. Aujourd'hui, on court après les observations. On est toujours à essayer de rattraper ce qu'on observe. C'est-à-dire, on observe quelque chose, on se dit « Oh là là, je ne comprends pas ». Et on essaie de comprendre. Il arrivera peut-être un jour où les observations vont peut-être saturer un petit peu. Je pense qu'on a encore un ou deux siècles devant nous avant d'y arriver, mais c'est possible. Il arrivera un moment où ça va être difficile. Après, on passe. Je vais passer la parole à d'autres personnes. Hola, soy Carlos. Encantado de estar aquí y lo primero, muchas gracias. Merci por habernos ofrecido esta oportunidad. Es un sueño cumplido. No quiero abrumar con las preguntas que tenga, pero preguntándolas a mí me van surgiendo, van 5, 10.000 en la cabeza. Así que voy a intentar ser breve. Por un lado, creo que ya me ha respondido a que en los rayos cósmicos se encuentran protones acelerados por estos jets, provocados por las galaxias activas. Así que más o menos esa pregunta me queda resuelta. Creo que he visto en una de tus fotos la nueva máquina, LISA, para ser un interferómetro para detectar... No, para LISA. LISA sera lanzada... C'est LIGO. No. La máquina de satélites que van a estar orbitando entre ellos, formando un triángulo equilátero, LISA, que se construirá en 28. Oui, plus tard. C'est LISA, dans 5, 6, 8 ans. Creo que eso puede mejorar mucho la detección de ondas gravitacionales y esa es mi pregunta.
qué tipo de descubrimientos se pueden llegar a hacer con nuevas ondas de gravitación detectadas fuera de la órbita de la Tierra sin la influencia terrestre. En fait, on va pas voir les mêmes objets. Avec Virgo et LIGO aujourd'hui, vous regardez des variations de distance sur le kilomètre, c'est-à-dire des objets qui tournent des modifications des vagues de quelques fractions de secondes. Et c'est complètement extraordinaire d'avoir réussi ça, puisqu'il faut détecter l'épaisseur d'un cheveu sur l'étoile d'à côté. C'est ça la modification de distance. C'est complètement fou d'y arriver. Mais si vous changez la longueur de distance que vous sondez, vous allez détecter des périodes d'oscillation des vagues, et des vagues qui sont distantes différemment. Donc, quand on va prendre les étoiles, les pulsars à côté de nous pour faire se promener la Terre entre les pulsars, on va détecter les grands trous noirs, la fusion des grands trous noirs, qui sont des phénomènes plus lents que la fusion des petits trous noirs qu'on a vu aujourd'hui, qui se passent, on voit que les derniers instants, mais ces derniers instants, c'est l'ordre de quelques secondes, pas plus, ça va très vite. Par contre, les grands trous noirs, ça va être plutôt de l'ordre de jours, de mois, donc on va se servir de la Terre qui se promène vis-à-vis des pulsars. Et LISA va faire quelque chose qui va permettre de tester des ondes encore plus basses, intermédiaires entre ces deux extrêmes. Donc on va surtout voir la matière tomber sur les grands trous noirs. Au lieu de voir la fusion de deux grands trous noirs, on va voir comment ces trous noirs s'alimentent. Et ça sera intéressant parce que du coup, on aura une mesure de combien de matière tombe dessus, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. On voit le gaz qui chauffe, mais bon, il y a toute une interprétation pour dire combien de gaz arrive, quelle énergie rentre sur le trou noir. Quand je vous ai dit qu'il sort 10%, il faut qu'on mesure combien tombe, il faut qu'on mesure combien sort, avec plein d'hypothèses. Donc, on pense que c'est raisonnable, mais on n'a pas de preuves. Si on avait déjà la matière qui tombe en tant que quantité de matière, ça sera formidable. Et on verra donc des phénomènes différents. Ce sont des mesures complémentaires. Ce n'est pas qu'on fera mieux, c'est qu'on fera différent avec ces objets-là. Je suis à Javi, qui est ici toute la nuit à Javi, parlant du thème. Me abruman les questions. Saltar un montón, así que prefiero no quitarle más tiempo a la gente. C'est pas grave, il est pas tard. Bueno, pues entonces acabo con. Yo creo que el objeto más complejo en el universo es el cerebro humano y que entiendo que no da para comprender el universo en absoluto. Hay que progresar, como tú has dicho, 200 años en el futuro sería muy bien vivir hasta entonces. Pero bueno, muchas gracias. Las preguntas me abruman, así que gracias. Hola, ¿existe algo así como un fondo cósmico de neutrinos? Si se podría detectar, y también qué cambiaría eso en nuestra percepción de la generación del universo de los primeros momentos de. Alors, ça a trait à la matière noire, où on a donc cette quantité de matière qui est beaucoup plus importante que celle qu'on voit, qui est visible. Et dont on a besoin parce qu'on ne ferait pas les galaxies de la même taille et de la même distribution de taille que ce qu'on observe si on ne mettait pas cette matière noire. On ferait plein de petites galaxies, on ne ferait pas des grosses, et on les ferait très différentes. Donc on a absolument besoin de mettre cette matière, cette gravitation supplémentaire, pour arriver à faire des galaxies qui ressemblent à celles qu'on observe. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est quelle est la nature de cette matière ? On ne sait pas. Alors si vous discutez avec des astronomes, notamment ceux qui travaillent sur Gaïa et sur la position des étoiles, etc., ils vous diront, c'est peut-être pas de la matière, c'est peut-être qu'on n'a pas compris la gravitation correctement. C'est-à-dire qu'il y a une modification. On a vérifié la relativité générale de manière très précise sur des objets de petite taille. On l'a fait sur Terre, on l'a fait avec des pulsars, on vient de le faire avec la fusion de trous noirs, de fusion d'étoiles de neutrons. Ce sont des objets petits, ce sont des choses qui testent des kilomètres, des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres.
On l'a fait un petit peu dans le système solaire avec les sondes qu'on a, mais là, pareil, ce sont des distances petites. Donc, si ça se trouve, à l'échelle de millions ou milliards d'années-lumière, la gravitation n'est peut-être pas exactement ce qu'on pense. Et ça, c'est une possibilité très réelle, surtout quand on sait que la gravitation ne va pas être un modèle quantique. On revient au problème de physique, de blocage de la physique derrière. Donc ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est que votre matière noire, alors là, vous parlez aux physiciens des particules, ce sont des particules. Et ils adorent avoir une particule qu'ils appellent le Weak Interacting Massive Particle, qui est un truc bizarre, qui fait une énergie de quelques milliards d'électronvolts à quelques centaines de milliards d'électronvolts. Ils veulent à tout prix que ces particules soient des reliquats du Big Bang. Et puis elle continue de s'annihiler de temps en temps et ça fait la lumière et de rayons gamma qu'on essaie de détecter mais qu'on n'a pas détecté pour l'instant. Et une troisième hypothèse qui a été longtemps ébauchée mais qui pour l'instant n'est pas compatible avec l'image fossile de l'époque, c'était que c'était des neutrinos justement qui avaient une toute petite masse, mais comme il y en aurait beaucoup issus du Big Bang, ça ferait une quantité de matière importante. Mais pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Parce que ça modifierait la construction des galaxies. Et on ne ferait pas des galaxies de la même manière. Donc, encore une fois, cette image qui est plus derrière moi, mais qui montrait toute l'échelle des galaxies, où vous avez des petites galaxies, des grandes galaxies, des formes différentes, etc., il y a une distribution dans l'univers qui est un peu partout la même, et qui nous impose qu'on ait un certain type de matière noire qui ne ressemble pas à une purée de neutrinos qui se promène partout. Merci beaucoup. Buenas noches. Bueno, mi pregunta iba un poco también acerca del tema de materia oscura. A mí la idea de materia oscura no me puedo evitar que me recuerde a la idea de éter del siglo pasado. Y es decir, un parche que colocamos cuando no entendemos algo. Entonces mi pregunta sería, ¿no cree que podemos estar cerca de una frontera? Como cuando en el siglo pasado el experimento de Michelson-Morley demostró que el éter no existía ante el nuevo avance de la física. C'est une des pistes que les gens cherchent aussi. Ce sont des pistes qui essaient de réconcilier justement la mécanique quantique avec la relativité générale. Les gens cherchent à faire deux choses d'un côté, à faire de la gravitation quantique, c'est-à-dire discrète et non plus une gravitation continue, aux petites échelles, et de l'autre côté, au contraire, à modifier la gravitation à grande échelle. Dans les deux cas, de toute façon, on est aux frontières de ce qu'on connaît en physique aujourd'hui. Donc le fait qu'il y ait un éther, c'est un autre mot pour dire qu'on a un problème sur la trame même de l'espace et du temps. D'abord, si vous demandez à quelqu'un de définir l'espace et le temps, on est mal. Hein. C'est probablement les notions. Tout le monde sait ce que c'est que l'énergie, l'espace et le temps. Si je vous dis ça, tout le monde comprend ce mot-là. Si je vous demande de le définir, je pense qu'on est encore là à 5 heures du matin. Donc c'est quelque chose de très fondamental dans nos concepts qu'on utilise comme des moyens d'outils calculatoires. Ça n'est autre que ça. L'espace, le temps et l'énergie, ou la quantité de mouvement, ou les moments cinétiques, ou ces lois de conservation, ce sont des choses qu'on a mises au point et qu'on met dans des calculs parce que ça rend compte de la réalité. Maintenant, qu'est-ce que c'est derrière? On ne sait pas. Et pourquoi de ce Big Bang est sorti aussi bien la matière, l'énergie et l'espace et le temps, puisque c'est la même chose, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un autre univers à côté? Si vous parlez à André Linde, il adore faire des multivers. Il y a un autre univers à côté où on a fait une fluctuation d'énergie du vide, ça c'est grand mot en ce moment, et les physiciens théoriques, là, il faudrait inviter un physicien théorique plus que moi pour en parler, mais vous auriez des fluctuations, justement, le vide a un réservoir d'énergie colossal, on ne sait pas ce que c'est que l'énergie, on peut en mettre plein dans le vide, et vous avez de temps en temps des phénomènes qui sortent de ce vide, de cette énergie, et ça s'appellerait un Big Bang, c'est-à-dire ça s'appelle une sortie d'énergie, d'espace et de temps à cet endroit-là. Mais foncièrement, fondamentalement, on ne sait pas ce que c'est. Et l'éther, c'était ça, c'était un espace-temps de l'époque. Donc c'est quelque chose... Newton a déjà
Dès Newton, on avait, je pense que vu son cerveau, Newton savait déjà qu'il avait un énorme problème quand il a inventé la gravitation. D'abord, la gravitation existait déjà. Il y avait un Canadien, un Français qui était très très près de la loi de la gravitation, mais Newton a démontré la loi. Et ça, c'est tout à son avantage. Mais la première chose qu'il a dû imaginer, c'est que comme tout s'attire, c'est pas stable. Donc déjà, à l'époque de Newton, on savait que l'univers n'était pas stable. Il fallait le mettre en tension. On avait déjà besoin de pagaille. Il fallait déjà une force contradictoire, automatiquement, puisque la gravitation n'a pas d'antigravitation. C'est la seule force qui n'a pas son opposé. Donc dès que vous laissez faire la gravitation, vous devriez avoir tout l'univers qui s'effondrait depuis Newton sur lui-même. Donc il vous faut mettre cette force contradictoire. On l'appelle matière noire, énergie noire aujourd'hui. Alors, matière noire, c'est autre chose. C'est qu'on a justement besoin de plus de gravitation à certaines échelles. Mais énergie noire, c'est une force contradictoire. Et il se trouve qu'en ce moment, on a plus besoin de forces contradictoires depuis 3 milliards d'années qu'un peu plus tôt dans le passé. Et donc, on appelle ça de l'énergie noire. Et il faut comprendre que ce sont vraiment des artifices de pensée pour pallier un problème. Maintenant, il va falloir trouver ce qu'est le problème et essayer de comprendre ce qu'il veut dire.